Dans ce nouvel épisode, ben, je vais vous présenter l'arcade Rocket, en fait, la salle d'arcade, où il y a une petite planque Rocket derrière. Alors, c'est vraiment, honnêtement, tu sais ce qui se passe, hein, tu vois les membres de la team Rocket en train de jouer. Allez, allez, j'y suis presque. Dis, Jesse, il faudrait peut-être qu'on arrête de jouer et qu'on retourne dans la planque. Hein, quoi? Mais non, pourquoi? Je suis bien là, moi. On a donné aussi au premier garde quand on l'a vu, donc on a rempli notre part du contrat. Pardon, hein, mais j'ai bien mérité une pause. Et d'ailleurs, et d'abord, je ne sais même pas comment accéder à cette fichue planque. Ils m'énervent avec leur sécurité moisie. D'ailleurs, c'est quoi déjà l'astuce pour trouver l'arme très secrète de notre planque? Ah, j'en connais une qui n'a pas écouté pendant les réunions. Nananananère, il faut chercher le poster avec le truc dessus. Tu sais, le truc trop stylé qui va à la vitesse de la lumière, comme nous. Chut, je suis fatal, selfie, fatal, je suis une esprit en émission. Mais dis-moi, quelle fine gamine comme toi, il se part ici? Je suis là pour vaincre la team Rocket. Oh, oh, tu as du cran, tu me plais. Tiens, pour fêter notre rencontre, laisse Stéphie t'offrir ceci. Une tenue Rocket? Porte ça et t'auras l'air d'une vraie Rocket. Mais même si, à mon avis, personne n'aura de mal à te démasquer vu ta taille. Pour voir, je vais me mettre un team Rocket. Parce que Rocket. Vêtements. T-shirt, Rocket. Pikachu en Rocket. Chapeau. Rocket. Oh. Rocket. Oh, ça fait pas, pas beaucoup de style. Shirt Rocket. Chaussures. Basket Rocket. Et le sac. Le sac Rocket. Non, mais mon démasqué vite fait quoi. T'es qui? Comment t'as fait pour entrer ici? Ok, quoique pour plus de sécurité, mais t'es même vraiment hors de portée. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah! Ya, pardon. Ah ouais, comment je fais pour monter? Pio, sans la clé, t'arriveras jamais jusqu'au bureau du boss. Bon courage pour la choper, madame. Solution, c'est chaud. Aidez-vous de votre partenaire pour récupérer la clé lancée par le Zibira. Ah, on contrôle Pikachu. Ah, mais c'est trop mignon. Attends. Là, il n'y a rien. Là, c'est Giovanni. Donc là, hop. Pika. Wow, mais il fallait y penser, quoi. Ok. La clé ascenseur. Dis, t'as pas entendu un drôle de bruit? Si, si, j'ai entendu un truc. Ou si tu penses à ce que je pense. Et si c'était un intrus? Pika. Oh. Ouf, ce n'était que le ventre de Miaus. Qui gargouille. Arrête de nous faire peur, espèce d'estomac sur pattes. Ok. Putain, il fallait y penser. Je galérais, moi. Vous avez pas dû voir, mais j'ai galéré pendant 2 heures, en fait, à chercher le fonctionnement. Et vu qu'il n'y a pas de solution et que j'ai pas envie de me faire spoiler. C'est chaud, hein. Ok. Ok. Bon, là, normalement, on devrait affronter Jesse James ainsi que Giovanni. Ça va être rude, mais de chez rude. Mais c'est pas ce que je vais faire. Chaque fois que je confonds. Hop, hop, hop. Mais si c'était ça, en fait. Ok. Hop, la clé ouverte. Moins un. Ok, donc enfin nous voilà face au dernier combat de cet épisode. Parce que l'épisode a duré un peu trop longtemps, mon goût.
Ok. Normalement, ça devrait être bon pour qu'on les affronte. Hop, on récupère la petite Pokéball qui se trouve être un élixir. Hey, je te reconnais, tu es la morveuse du mont Sélénite. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je viens chercher Osley. Ah non, Osley, ben, t'arrives un peu tard. On a déjà refilé au boss. Laisse-moi te dire une bonne chose. Jamais tu n'arriveras jusqu'au boss. Comment as-tu osé nous humilier au mont Sélénite? Cette fois, tu vas prendre cher. On va voir ça. Bon, je pense qu'ils vont nous sortir Arbok et Smogogo. Voilà, j'avais raison. Tum, 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 tum. J'envoie Sabolette et Roubou. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà me placer. Et moi, je vais faire une bonne cruelle sur Arbok. C'est lui le moins défensif. Donc, ok, regardez disant si vous voulez, il n'y a pas de souci. Détritus. On va te focus sur Roubou, quoi. Dans Slam. Ok, on se replace encore une fois. Moi, je vais utiliser donc Vive Cruel encore une fois sur Arbok. Direct toxique, mais il va crever quand même. Le pouvoir recoupe. Et voilà, bim. Donc là, je suis à plus 4. C'est stable, donc normalement, je devrais mettre KO Arbok. Hein. On va faire appel à Pika Pika. J'hésite. Est-ce que je mettrai. Ouais, on va te faire focus sur le Smogogo. C'est plus dangereux. Attaque tonnerre. Ok. Direct toxique. Oh, les one shot. Allez, détruis-le! C'est bien. Smogogo KO. Désolé, Pikachu. Allez, Bubi. Ça fait un bon contre. Point grâce. Hop. Lance. Charge. Il n'y a que ça. Machouille. Ne me flinche pas, ne me flinche. Ouf. M'attendez. Ouf. Ok, c'est du chaos. Le grand vainqueur est Yamiga Samir. C'est vraiment une insupportable morveuse. Ah non, je pensais que cette fois ce serait la bonne. Alors ça va, hein, pas la peine de faire ta bêcheuse juste parce que ton équipe est un tout petit peu balèze. Ouais, d'accord. D'abord, tu vas voir, on va te. Pika. Waouh! La Team Rocket à la vitesse du son. Alors, équipe. Mieux à faire, c'est de les soigner. J'ai des rappels. Mais je crois qu'on ne le combat pas là. Mais... Si, on le combat. Non. Ok. Ok, et ok, voilà. Grâce au scope Sylph, nous avons enfin la preuve formelle. Le Sylph dispose bel et bien des technologies nécessaires pour nous permettre d'atteindre notre objectif. La Team Rocket triomphera. Une machine pour détecter les êtres invisibles. On dirait la description d'un vulgaire jouet. Et pourtant, soit. Amos poursuit l'infiltration de la Sylph. À vos ordres. Quoi? Mais que fait cet enfant ici? Tu as tout écouté sans pipé mot? Voilà qui n'est guère honorable. Je suis Amos, la domine de la Team Rocket. Je n'ai aucune pitié, même pour les enfants. Ok, si tu veux. Amos Didori. Oh, sérieux? De toute façon, il pourrait me faire. Allez, on va se booster tranquillement. Quoi? Lance-flamme?
Sérieux, non. Oh, sérieux, j'aurais dû l'anticiper. Crever. Non, on va pas crever. J'ai confiance en mes Pokémon. Vampigraine. Vas-y, fais lance-flamme, mais ça ne me fera pas un one-shot. Ah, oh, évidemment, tu sais, évidemment, il esquive. On anticipe le lance-flamme. Voilà. On va faire un petit tunnel. Attaque. Tunnel. Bomber, comment ça sert? Heureusement qu'il n'a pas lévitation. Mais ça lui fait rien! Eh, mais c'est quoi? C'est des. Oh ya! Je vais pas être content du tout. Dracourage. Les gars, je suis mort. Mais deux, je suis mort. Non, je suis pas mort. Quand même pas. Bah. Voilà, on va faire ça, j'ai hésité. Ok, non, pas Pokémon, un sac rappel. Putain, ils sont puissants, hein. Oh là 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 là, quand t'as pas les Pokémon adéquats. Mais non! Ça aussi, ça me saoule. Oh, regarde, ça va me saouler. Ça va me saouler, les gars. Ça va me saouler. Putain! Je suis obligé d'en sacrifier. Il faut en fait que soit je mets KO Smogogo avec Pika Pika, soit ben, on est dans la panade. Heureusement qu'il n'y a pas de destruction en compagnie. Ok. Je contre. Pika Sprint. Mais putain, mais c'est dingue ça. Pourquoi ils n'ont pas arrangé au lieu de nous faire des nouveaux trucs? Oh, pensez à arranger ces bugs là. Là, ça prend un tour pour rien en fait. Tu fais un faux mouvement, voilà, ça te met KO. Garde les mêmes anciennes capacités. Bonido 1.31. Il a des attaques pourries, ça, franchement. Nosferatu, ok. Est-ce que je le mets KO? Je pense pas. Je vais utiliser tonnerre pour voir. C'est mis en attaque SP. Ok. Machoué, je vais être KO, les gars. Ah non, je tiens. Ouf. Non, ne sois pas désespéré, Pika Pika. Je vais le défoncer rien que pour toi. Pika Sprint. Go! Ok. Famille. Maître Giovanni, pardonnez-moi, j'ai perdu face à une enfant. Oh, le beau gosse qui arrive. Ah, ne me dis pas qu'il faut les soigner là. Parce que j'ai plus rien comme potion et compagnie. C'est là où ils m'ont cramé des potions pour rien, ils vont me soigner direct. Non, normalement, ils nous soignent. On va quand même sauvegarder au cas où. Mais normalement, le combat. Eh bien, tu as réussi à vaincre un monstre, rien que ça. Tu me surprends, tu es dur, courrias. Pour financer ces plans, la Team Rocket a besoin de Pokémon. Pour cela, nous en capturons dans le monde entier. Et c'est moi, Giovanni, qui suis à la tête de cette organisation. Quoi, tu veux que je libère aussi? Les... Mouhahaha, est-ce la unique raison de ton infiltration ici, et à tes risques et périls? Les enfants sont vraiment inconscients. Je vais te punir pour ton insolence. Allez, le boss Giovanni veut se battre. Persian. Ok.
Alors, j'hésite à faire voir le miroir. Bon, allez, on va tester. J'aurais pas dû. Ok, on va dans flammer alors. Je sais pas c'est quoi cette attaque. Tranche. Danse lame. N'oublions pas que j'ai pas d'hyper potion. Hein. Je vais faire tranche encore. Tente le crit. Tente le crit. Ouh, il est là le crit. Il passe. Ok. Alors, attaque. Point de glace, c'est ma dernière. Ne crit pas. Le crité. Ah non. Là, c'est du one shot, là, normalement. Même pas. Pour rigoler ou quoi? Ce moyen, c'est. N'évite pas, n'évite pas, n'évite pas, n'évite pas, n'évite pas. Ouf. Allez, ça dégage. En un coup, ça part. Niveau 31. Ok. Rhinocorne. Donc ça change avec Bulbi Bulbi. J'aurais dû lui apprendre mes gars, je suis bête. Non, c'est pas grave. Ne me fais pas. Il va me faire soit une ailier, soit un palcorne. S'il me fait un palcorne, mais je meurs. Bon, attends, trancheur, ouais. Voilà, tu n'es lié. Oh là 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 là, oh, ça fait mal. Ça fait mal. Dun, dun. Après, il a Nidoqueen et Nidoking, j'espère. Enfin, j'espère pas. Ah ben, tu n'es là. Il esquive, c'est bon. Une fois, il faudrait que je mette KO là. J'en doute. Voilà. Allez, fais-moi un allié. Voilà. Soit Quentin, soit KO. Ça va être chaud, mais de c'est chaud. Allez, Nido di Nido. Il n'y a que lui. Hein. Putain, fait chier, quoi. On va utiliser la double pied pour rien. Quoi? Les plaques à eau? Même avec double pied, le rhinocorne il n'est pas KO. Mes fesses, ouais. On va crever. On va crever, les gars. Je vais crever, j'ai pas d'autre attaque, hein. Même Pika. Non, je vais crever. Attends, peut-être pas. Sûr, j'ai pas de potion ni rien. Si, j'ai 4 rappels. Bon, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais switcher sur sa belette. J'avais besoin. Au lieu d'envoyer sa belette et après de faire revenir un Pokémon, non, moi j'ai fait le contraire. Bon, c'est pas grave. Tu n'es libre, allez, dégage. Putain, c'est juste une attaque, mais waouh, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Alors, Rourou, à toi de jouer. Et là, je vais faire revenir quelqu'un. J'ai que ça comme moyen. Sac. Alors, rappel. J'ai un Nidovido. Ok. J'ai une pierre. Ouf, j'ai tenu. Hop, sac. Rappel sur Air Bizarre. Là, je vais être bien concentré sur le match. Vas-y, dégomme-moi, c'est pas grave. La nuit, c'est que si les autres Pokémon de ce cher monsieur Giovanni sont plus rapides que Air Bizarre, nous sommes dans la panade. Vraiment. Trancherbe. Ok, ça dégage.
Ah, c'est tout? Quoi, Damnation? Il n'y avait que deux Pokémon? Oh, j'ai gaspillé des carapes pour rien. Battu à plate couture par une mioche, je vais un peu mauvaise. Pars donc avec cet os-là si ça te chante. Os, et accepte également ceci, je n'aurais pas dû te prendre de haut juste parce que tu es jeune. Gyroscope Sylph. Je vois que tu élèves tes Pokémon avec le plus grand soin, mais cela ne change rien au fait que tu ne peux rien comprendre à mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. On se retrouvera. Osley repart vers l'Avandia. Peut-être que le scope Sylph pourrait servir à élucider le mystère des fantômes. Osley partit sans se retourner. Un conseil, fait pareil. Va donc voir ailleurs si on est. Et tente de faire fonctionner le scope Sylph, cela t'occupera. Ok les gens, ben on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Pokémon Version Let's Go. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Et moi je vous retrouve donc demain pour une nouvelle aventure de Pokémon Go. C'était Mega Samir. Bye tout le monde. Nouvel épisode.